fuck out! Motherfucker! Boom! Yo! The Mafia! Oh, 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 BAM! Et heureux tout le monde, c'est Yoka, on se retrouve pour le 41ème épisode de la série Badass Survival. Et ben, j'ai pigé pourquoi au dernier épisode j'avais rien en qualité, que c'était pourri et que j'avais plein de lags. C'est parce que, bien sûr, comme d'habitude, j'ai encore oublié que le jeu n'avait pas envie de se lancer avec ma carte graphique. Hein, il se lance avec le processeur graphique, enfin les graphismes intégrés. Donc du coup, ben, je perds énormément en qualité et je perds énormément en IPS. Bah du coup là je suis revenu à 60 IPS, hein, donc tout est nickel, tout est beau, tout est magnifique, tout est incroyable. Et je suis prêt à engager le 41ème épisode. Alors oui, du coup je pensais pas faire quelque chose de spécialement pour le 40ème épisode ni rien. Ouah, ça fait bizarre d'avoir une vitesse de jeu, hein. Enfin de jouer à une vitesse normale, ça fait trop bizarre. Je disais donc oui, je ne pensais pas faire de truc spécial pour le 40ème épisode. Par contre, ça m'a juste fait chier, c'est quand j'ai vu que c'était le 40ème et quand j'ai vu du coup la qualité pourrie avec laquelle je voulais proposer en fait. Parce que à cause de ces nombreux. À cause de ces ralentissements et tout ça. Et à cause du fait que j'avais pas activé ma carte graphique en fait, à cause de my bad, mon erreur horrible. Et que du coup en plus c'était un épisode que de la construction quoi, il y avait que dalle. Donc du coup je vais essayer de me rattraper dans cet épisode. Je ne sais même pas combien il fait le 40ème épisode, hein, parce que je vous dis, j'enchaîne. J'ai juste redémarré le jeu. Pour voir, j'ai vérifié que tout allait bien. J'ai pas regardé le nombre, enfin le temps que m'avait pris les fichiers. J'ai pas regardé le temps du dernier épisode, du coup, du 40ème. Donc, pour celui-là, je sais pas vous faire plus long. Si je vais juste envoyer le compteur, par contre, voilà, c'est bon. J'ai mis un compteur de 20 minutes, comme d'hab. Hein, j'essaie de faire des épisodes de 20 minutes. Donc là, il sera un petit peu plus long, vu que ça fait déjà 2 minutes que j'ai commencé. Mais Je verrai bien. Je sais pas si je me rattrape ou si je vais faire un peu de combat ou si on continue la construction. Je ne sais pas, je verrai bien. Déjà, selon si un monstre m'agresse, hein, s'il décide de m'agresser ou que je tombe sur une caverne ou n'importe quoi, il y a des chances que ça parte en carnage. Donc, voilà, pour l'instant, je vais me concentrer sur la construction. C'est le plus important. Et puis, surtout, il faut que j'arrive à déterminer quelle hauteur sous plafond je vais mettre. Il me faudrait vraiment masse explosif. On va aller buter du creeper. Parce que ça me fait chier de creuser. Voilà, c'est tout. C'est de la décision complètement impulsive. Mais de la décoration, je veux bien. Un peu de construction, je veux bien. Mais creuser, ça m'énerve. Et je me dis qu'il y a des creepers. Ils ont de la poudre explosive dans leurs intestins. Donc je vais aller les buter. Je vais aller leur piquer leur poudre. Et c'est eux qui vont creuser à ma place. Parce que ces conneries, les creepers, c'est juste là pour te faire chier. Alors si on peut les employer à faire quelque chose d'utile à un moment dans leur vie, autant le faire. Il y a des monstres, bonjour les zombies. Coucou, comment tu vas? Il m'a donné de la ferraille? Il est sérieux? Je suis pas un pauvre, hein. De la ferraille j'en ai. Hein. Le mec il me donne de la ferraille comme si j'étais un mendiant, non, mais c'est bon. Je peux très bien me procurer ma propre ferraille moi-même. Oh, coucou les creepy! J'ai fait un coup double là. Eh, j'avais mis un critique! Oh, dégueulasse! J'avais mis un critique, c'est horrible. Par contre, il me faut une place pour la pose explosive. Donc, du coup, c'est quoi qui gère? Quoi, pouk pouk, non, c'est bon. Pourquoi j'ai pas de poudre? Y'en a aucun qui m'a lâché sa poudre. Quelle bande de radins. Oh, sa mère, j'ai pas de poudre. Je suis un peu dégoûté. Bon, y a pas d'autres creepers. C'est un petit peu chaud au niveau luminosité. Je suis à combien? Oh, mon dieu, on va peut-être pas mettre ça. C'est de la triche. On va mettre en sombre, écoutez. Là-bas, y'a un creeper. Là, y'a un zombie. Black. Voilà, c'était un critique ça. Du coup. Oh, un squelette. Aïe. Voilà, meurt.
La puissance des coups critiques dans ce jeu, c'est très marrant. Par contre, du coup, je vais peut-être aller chercher les creepers. Hein. Je vais les trouver, il y en aura bien dans ce monde, je pense. Creepy. Vous êtes où? Putain, là, si je tombe sur lui, il va souffrir. Ne tombe pas, s'il te plaît. Accroche. T'es bon. Oh, je vois tout le village d'en haut, c'est joli. C'est très joli. J'aime bien. Putain, c'est beau. Oh non, eh, oh, hein. J'ai pas passé tout l'épisode d'avant à rager contre la pluie pour qu'elle revienne. C'est bon. En plus, le soleil va se lever, c'est bien, je vais aller voir les creepers. Ils sont de l'autre côté, je pense. Il y en aura peut-être plus. Aïe. Enfin, il y aura peut-être plus de probabilité rien que de les voir, surtout. Coucou! Comment tu vas? Moins bien depuis que je viens de te marcher sur la tête. Pourquoi est-ce que j'ai fait du pain? Ça sert à rien, le pain. J'aime pas le pain dans Minecraft, je trouve que c'est une bouffe qui sert à rien. Parce que ça consomme masse blé. Pour au final, un truc qui... Bon, qui régène trois nourritures. Autant nourrir des vaches, les buter pour leur cuir, et puis voilà. Hein. Ça, au moins, c'est rentable. Je cherche des creepers. Mais il n'y a pas de creeper dans Minecraft ou bien? Je vais attendre parce qu'il va brûler là-bas. Est-ce que j'ai un arc? Oui, j'ai un arc, j'ai pas de flèche par contre. J'ai pas de flèche, chier. Non. Brûle. Coucou. Oh, my god, ça m'a volé juste à côté. Brûler! Mais fais comme... Haha, ça y est. Vous brûlez enfin. Meurs. Je ramasse rien, j'ai trop de pierres sur moi. Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on... Comment? Ça gère, j'en ai déjà trop. De la pierre, je vais en ramasser un million. Je peux bien en jeter un peu. Voilà, hop, c'est bien. Allez. Pourquoi Gu? T'es tombé où? Bien sûr, compte zombie que tu es, tu te noies. Ah, s'il reste un zombie, c'est étonnant. Théoriquement, ils vivent pas le jour, les zombies. Creeper, vous êtes où? Il reste combien de temps d'épisode que je regarde vite fait? 14 minutes et 30 secondes précisément. Alors les creepers, ils sont où? Pour une fois que j'en cherche, d'habitude je les évite. T'as rien à faire là, on est le jour, dégage. Je chasse les Enderman d'une puissance. J'arrive à dire aux Enderman de dégager et ils m'obéissent. Je me sens puissant. Mais pourquoi ils sont pas là, les creepers? Ils sont censés vivre le jour, les creepers. J'aurais creusé à la main, j'aurais déjà fini, hein. Aïe. Mais ils sont où, ces saletés de mobs? Pourquoi y'a pas de creepers? Pourquoi y'a pas de creepers? De Dieu, il y a tous les mobs, mais il n'y a pas de creeper. Je n'ai buté 3, ils vont pas lâcher de poudre. Bon, ok, je veux bien qu'ils fassent un peu les cons, mais quand même. Ils sont pas censés être beaucoup, les creepers? Et lâcher plein de poudre? Enfin, en lâcher au moins un par creeper? Ce serait bien. Je vais revérifier, parce que j'y étais quand il faisait la nuit, mais là qu'il fait jour, je vais peut-être la voir, les poudres qui sont tombées, non? Je les ai fight où exactement? Non, je les ai pas fight. Je les ai fight où? Je ne sais plus. Bah, ils sont plus là. Y'a pas de creeper. Y'a pas de creeper du tout. D'accord, ok, bah c'est très bien. Bah écoutez, bah malheureusement, ce sera creusage à la main. Hein, écoutez. À la mine, à la pioche. Allons-y. Mange ton pain et retourne à la mine. Allez, hop et... Je suis très nul en saut. J'ai créé une map aventure et je suis très nul en saut. Aïe! Voilà.
M'en fous, je lutte contre la gravité. Alors, du coup, alors, par contre, tac, 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 ici, ici, ici. On va peut-être même faire ça bien majestueux. On va faire ça super grand. Alors, vous inquiétez pas, je ne suis pas complètement fou, je ne parle pas dans le vide pour rien. Je vais faire un truc ici, vous allez voir. Alors, Enter. Est-ce qu'il va devenir de l'herbe si je le mets ici? Non, il faut que je le mette en contact avec l'herbe pour qu'il devienne de l'herbe. De toute façon, il y aura de la... il y aura pas de... Oui, non, mais de toute façon, on s'en fout. Alors... si je mets de l'eau autour. Ou non. Ah, j'ai trouvé. Et voilà. On va faire ça. Voilà. Alors, cet étrange petit truc que vous voyez ici. Vous inquiétez pas, il va servir à quelque chose. Ne commencez pas à vous demander qu'est-ce qui fait ce con Nyoka à foutre des trucs bizarres partout. Non, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais, je suis quelqu'un qui a des petites idées en tête. Et j'attends que de l'herbe se propage ici. Parce qu'ensuite, je vais y mettre un arbre. Mettre un arbre et des petites fleurs pour en faire un petit jardin intérieur. Je veux juste mettre un arbre en fait. Et quel type d'arbre par contre? Est-ce que je mets des pousses de bouleau? Qu'est-ce que j'ai comme arbre? J'ai pas d'arbre là-dedans, je crois. Non. J'ai pas d'arbre. Bouleau, ce sera certainement. Ce sera certainement un bouleau. Parce que, bah, déjà, c'est original. Pas c'est original, non, mais c'est joli un bouleau. Le tronc du bouleau est joli. T'es toujours là, toi? Faut que je te pète ta gueule pour que tu comprennes? Dégage. Dégage. Ah oui, par contre, je les ramasse pas. Bon. Les fours. Je vais aller me faire de la place dans les fours. Je vais les foutre toute cette pierre à cuire. Hop. 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 Voilà. Ça, c'est bon. Voilà, là ça fait un peu de place. Vous là, vous avez rien à me vendre d'intéressant? D'accord, ok, tu barres quand je te parle. Toi, 10 émeraudes contre une boussole. Tu sais que je peux la craft. Émeraude, ok, donc, bref. Non, mais toi, tu t'as été un arnaqueur aussi. 20 blés contre une émeraude, ça va corps. 16 côtelettes de porc contre une émeraude. Putain, j'ai pas de porc en plus. Contre une émeraude contre 12 flèches, toi je t'aime. Toi je t'aime, toi. Je vais te faire l'amour, toi. Toi tu m'intéresses. Sexuellement parlant, bien sûr. Alors, cet arbre, il en est où? Une pousse. Alléluia. Plein de pousses. Deux pousses. Deux pousses. Très bien, je vais aller en mettre une déjà. Elle poussera si elle veut. Si elle trouve qu'elle a la hauteur suffisante et l'ensoleillement nécessaire, elle poussera. Pour l'instant, elle risque pas de pousser, ça m'étonnerait. Hein. Parce que du coup, il va y avoir un grand jardin là, il va y avoir un petit jardin là, il va y avoir encore juste ça à l'intérieur, parce que je trouve ça joli. Voilà. Par contre, il faut juste que j'attende que l'herbe vienne. Faut juste que j'attende que l'herbe arrive. Par contre, elle sera pas jolie quand même. Ce sera pas une belle herbe verte. J'aime bien les herbes vertes, elles sont carrément classe, mais là, ce sera malheureusement pas une belle herbe verte. Ce sera une herbe marron, une herbe verte foncée, dégueulasse. Euh...
vais virer ça. Oh, what the fuck. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sauté sur un escalier. Voilà. J'ai plus de pierre en plus. Attendez, j'ai plus de pierre. C'est vite dit ça, j'ai plus de pierre. Non, j'ai plus de pierre, j'ai rangé le stack, c'est vrai. Voilà, de l'extérieur c'est pas trop mal. Bon, du coup, de l'intérieur ça fait un peu grand mur, mais bon, je décorerai ça comme je pourrai plus tard. Pour l'instant, ça restera comme ça. Je mettrai des lianes dessus si j'en trouve. Et pour l'instant, malheureusement, ça ne peut que rester comme ça. Ici, il y aura des cascades, hein, sur les côtés, il y aura des cascades. Et là, je vais faire des fontaines à l'intérieur. Mais il faut surtout que j'agrandisse ce putain de plafond. Et que là, je me fasse une espèce de nef. Très haute, pour accueillir cet arbre. Faut que j'arrive à niquer tout ça. Tech. Bonjour. Voilà. Tac, tac. Allez, on va virer toute cette pierre. De la place pour l'arbre. Je sais plus combien. J'espère que ça va être un arbre normal. Il va prendre 3. Il va prendre 5, c'est ça. C'est 5 d'envergure en haut. Donc du coup, bah c'est la surface là. Hein. Faut qu'en gros il n'y ait plus rien au-dessus de ça. Hop, hop, hop. Voilà, ça fait un peu de place là déjà. C'est pas trop mal. De toute façon, je vais y avoir des grandes. Non, pas des grandes colonnes, hein, pas pour l'instant. Je vais juste mettre l'arbre. Ici, il va y avoir des colonnes. Ici, il va y avoir des fenêtres. Aussi, bien sûr. Elle se propage cette herbe ou bien? Ou il faut de la luminosité? Je sais pas comment se propage l'herbe. Je ferai une petite vérification après l'épisode. Juste pour voir combien de temps l'herbe se met à se propager. Ici, il va y avoir des fontaines. Sur les petits canaux qui sont là. Et je vais déjà entamer la construction d'une des pièces là. Tac, tac, tac. Donc comment je vais dimensionner ça? Là, ça va s'arrêter là. Pluie de brin. Tac, tac. On met une colonne là. Et une colonne là du coup. Et là on met une colonne ici. Non. Ici. Et du coup une colonne là. Voilà. Voilà qui sera très très bon. Par contre, elle en met du temps à se propager cette herbe. Il faut une toucher de soie, je crois, pour avoir de l'herbe, pour réussir à choper un bloc d'herbe, en fait. Il faut une belle toucher de soie. Et ça, malheureusement, c'est pas. Et c'est pas du tout. En plus, ça coûte cher. Bon, c'est chaud à obtenir une toucher de soie. Très chaud. On va mettre des torches sur les côtés, sur les colonnes. De tous les côtés, hein, bien sûr. Quitte à faire ça bien. Et à l'intérieur, bah là pour l'instant on va prolonger l'allée. On va prolonger l'allée comme ça. Aïe, plus de pioche, merde. Fais chier. Tac, tac, tac. Voilà. Merde, ça. Oh ! Mais qu'est-ce que je fais ? Une pioche, s'il vous plaît. Donnez-moi une pioche. Bon, j'ai peu. Oh. Un homme tellement organisé. Oh,
Voilà. Là, j'ai une pioche. Pourquoi il n'y a plus de musique? De toute façon, attendez. Oh, l'épisode est terminé dans 2 minutes. Bon, allez, on va mettre une autre musique. Tiens, on va mettre celle-là. 13, non pas 13. Bloc, elle est marrante. Bloc est plutôt sympa comme musique. Qui est pas capable de poser bien un bloc quoi. Oh mais c'est. Mais oh mais. Qu'est-ce que je fais? Je suis tellement pas à droit. C'est quoi? C'est du charbon ça? Combien? On va creuser le filon entier. Hein. Sérieux là? C'est quoi ce filon? Merci. Bon, bah très bien. Et par contre, du coup, on va reboucher tout ça avec... avec de la pierre! Hein? J'en ai 1000 de la pierre. Viens là, toi. De la pierre, j'en ai plein. Et là, on va faire ça. Ouais, c'est pas trop mal comme entrée, moi j'aime bien. Faudra juste dégager un peu toute la pierre qui est en haut, mais sinon après c'est pas trop mal, moi j'aime bien. On va faire des échafaudages ensuite pour pouvoir monter là-haut. Le mec qui s'organise. Voilà, bon. Eh ben écoutez, on y est, c'est la fin de l'épisode. Ben, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. La petite chasse au creeper complètement fail, je sais que c'était horrible. Mais j'espère quand même que ça vous plaira. J'enchaîne, donc je vais en faire un juste après. Et ce coup-ci, je pense que je repartirai un peu à la chasse aux mobs. Et on va bien voir, hein. Là en plus il fait nuit, donc théoriquement il devrait y en avoir un peu qui ont pop. Allez, sur ce, mettez des pouces verts, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite de mes aventures. Même si je sais que là c'est pas très c'est pas super actif, il n'y a pas beaucoup d'action et tout ça. Mais c'est parce qu'en même temps je réfléchis à l'architecture et j'essaie de faire du mieux que je peux, mais bon... Après, niveau... J'ai pas envie de faire des ellipses, j'ai pas envie... Après, si vraiment vous voulez des ellipses, si vous voulez des ellipses et si vous voulez que je passe les épisodes en accéléré, enfin que je passe les parties de découpage de terrain et tout ça, il y a pas de problème, hein, vous me le dites. Hein. Mais je préfère ne pas faire d'ellipses, en fait, parce que je trouve ça plus marrant, puis je peux raconter du bullshit, je peux raconter n'importe quoi en même temps que je creuse, c'est bien marrant. Puis voilà. Mais bon, après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que je vous passe tout ça, vous me le dites, surtout, vous n'hésitez pas. Allez, donc sur ce, pouce vert, abonnement, commentaire, et à la prochaine. Allez, hop.